Madame. Navré de vous importuner après un tel spectacle, mais je tenais à vous dire que ce soir vous aviez été fabuleuse. Arrêtez, il suffit. Vous allez me faire rougir. Mais dites-moi, avons-nous déjà été présentés? Ciel, mais où sont mes bonnes manières? Je me présente. Mon nom est Rémus et j'ai été engagé il y a peu. Rémus, dites-vous? Effectivement, j'ai entendu parler de votre numéro et j'espère vous voir sur scène bientôt. Alors, tâchez de ne pas me décevoir. Madame, je suis navré de vous déranger si tard, mais je serais honoré de vous inviter à dîner. Ce soir. Oh, quelle délicate attention. Seulement, je me vois au regret de refuser. La dernière représentation que j'ai donnée a été quelque peu épuisante. Et de toute façon, ce soir, je dois m'occuper du courrier de mes admirateurs. Oh, pardon, je m'égare. Pour ce soir, c'est compliqué, mais peut-être saurais-je me libérer un moment demain soir. Je peux revenir demain soir, c'est ça? Venez et nous verrons. Madame, Rémus? Pardonnez-moi de troubler ainsi vos préparatifs, mais je ne puis contenir ce qui m'anime. Qu'est-ce que c'est? Maggie, jamais je n'étais aussi bouleversée. Les mouvements de votre bouche. Je vous aime. Oh, Rémus. Divine Maggie, jamais je ne cesserai de vous aimer. Mon cœur tout entier vous appartient, car sans vous, mon existence perd tout son sens. Laisse-moi t'aimer. Montre-moi la vie.